Bonjour! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain d'hier. Hein, me demandez pas quelle journée, je sais pas. Je suis perdue. Là, j'ai fini de monter mon vlog. Il est en train de s'exporter. Il est qu'à 33%. Il est déjà 11h30. Ouf, on est confiné. De toute façon, je pense que vous dormez encore. Donc, ça sert à rien que je le mette à midi pile. Midi et demi, 1h, c'est pareil. Hein. De toute façon, on n'a plus conscience de rien, ni de l'heure, ni de la date, ni même de l'année dans laquelle on est. Non, je rigole, très très bien. On a de très très belles vies, je peux vous le dire. Comparé à certains, on a de très très belles vies. On a toujours pire que nous de toute façon. Faut pas chercher à regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin. Faut chercher à voir si l'herbe est moins verte chez le voisin. Et ça, c'est la clé. Ouais, en fait, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Mais bon, bref, ce matin, j'ai profité de ma petite nounette. On a bu notre café ensemble. Enfin, elle a bu son bille, moi j'ai bu mon café. Et hier, Mister m'a dit qu'il avait envie, hier soir. Mister, il m'a dit j'aime trop Tim Salmon et en fait j'en ai pas fait assez. Du coup, je vais en faire aujourd'hui. Là, il est pas encore levé. Je vais en faire là maintenant. Je vais essayer d'en faire assez pour qu'on en ait de quoi déjeuner le matin et le midi. Parce qu'en fait, il y a une recette tunisienne, enfin un sandwich tunisien qu'on appelle les mlaoui. J'aime trop ça. Mister, il les a goûtés. Il a trop aimé aussi. En fait, c'est simplement Tim Salmon. Tim Salmon, nous on appelle ça mlaoui, avec de la harissa. Une omelette, enfin des œufs battus, avec, bah oui, une omelette en fait, et du thon, et des olives, du capre, vraiment ce que vous voulez. Moi j'aime pas avec le capre, et j'ai pas d'olive, donc il y aura juste thon, omelette et harissa, et hop, on enroule le pain, et c'est juste trop trop bon. Essayez d'ailleurs, vous allez voir, c'est vraiment super bon et super facile à faire. Donc sans plus tarder, je vais faire une semaine. Je vous ai montré la recette dans le vlog d'hier, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vais préparer tout ce qu'il me faut. Et on se lance. C'est parti. Any difference and that's a shame. All I want. Bon, il y a beaucoup de bruit. Je vais baisser le babyphone à Anna. On lui a mis de la musique pour qu'elle s'endorme. D'ailleurs, elle s'endort très très bien avec. Regardez-moi ce petit bout. Elle est trop mignonne. Et là, en fait, on va se faire à manger avec Mister. Donc, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez, bah, c'est pas sur la Direct TV. Et j'ai dit qu'on allait manger aujourd'hui des mlaoui tunisiens, c'est-à-dire des espèces de sandwich avec omelette, harissa, du thon, du capre si vous avez, des olives si vous avez, des œufs durs à la place des omelettes si vous aimez, des petits dés de pommes de terre frites si vous avez envie. Vraiment, on peut mettre tout et n'importe quoi. Non, il y a de l'huile là. Et nous, en fait, on va mettre omelette, thon, capre pour ceux qui ont envie et harissa. Voilà, donc Mister il se charge de dégoûter le thon parce qu'il est plein d'huile. J'aime pas prendre celui-là, normalement je prends l'huile naturelle, enfin avec de l'eau quoi, pas de l'huile. Mais cette fois-ci c'était Mister qui avait acheté et lui, bah, comme il savait pas, il a pris le premier bout. Moi j'ai pris le premier paquet qui était mis dans le monde. Bah tu le sauras pour la prochaine fois. Et là moi je vais m'occuper de faire les omelettes. Œuf, sel, poivre, cumin pour Mister parce qu'il aime beaucoup cette épice avec viande et œuf. Hein. Ouais. Bon, on a fini de manger. Là, je suis en train de m'installer pour filmer une vidéo, donc je vais me changer déjà. Et je vais filmer mon maquillage que je vais faire aujourd'hui, donc je vais vous poster sur Insta Direct. Insta Direct. IGTV. Et puis voilà, donc je vais bien m'étaler sur la table basse. Et puis ça va aller quoi. On va ravaler tout ça. Hein. Un petit ravalement de façade, ça ne fait pas de mal. Ok, c'est parti. Again.
few moments later. Je viens tout juste de finir mon IGTV. Je vais aller la monter, j'espère que j'aurai pas de surprise au niveau du montage. Mais sinon, bah écoutez, je suis très contente de me montrer d'Aliener par contre. Est-ce qu'on en parle ou pas? Non mais ça fait quelques jours que je m'entraîne en fait à faire un trait d'eyeliner un petit peu plus épais et plus étiré que d'habitude. Et j'aime bien. Donc voilà, si vous voulez voir comment est-ce que je me suis maquillée, je vous mets mon Instagram en barre d'informations et mon pseudo juste ici. Donc n'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs j'ai mis une petite souris ce matin qui ça m'a bien plu. J'étais en train de faire le pain, enfin les crêpes feuilletées et du coup ben, j'ai filmé en accéléré et j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très joli. Voilà, la meuf qui ne se vante pas, tout le monde parle. Donc bon, je vais ranger tout ça et je vais me mettre à monter l'IGTV et je pense que je vais la publier de ce pas. Enfin, si tout se passe bien. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois où je filmais une IGTV et au moment du montage, ben, il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas, c'est-à-dire la luminosité ou peu importe, enfin. Voilà, donc bon, allez, maintenant on se met sur l'ordi et on va bosser. Super, je viens de finir de monter l'IGTV et tout est good. Donc je vais vous montrer rapidement. Hop, on va repartir ici. Je vais vous montrer le début. Et si vous voulez voir la suite, il faudra aller sur mon IGTV. Voilà. Donc je suis très contente, comme j'ai dit aujourd'hui une journée assez productive, j'aimerais bien faire une photo Instagram. Mais bon, j'ai déjà fait une IGTV, c'est déjà très très bien. Et au pire des cas, je la ferai demain la photo Instagram. Mais là je vais aller me poser un petit peu juste ici. Anna est encore en train de dormir, Mister est en haut. Et l'IGTV est en train de charger. Donc écoutez, tout est bien. Tout roule sur des roulettes. Tout roule comme sur des roulettes. Et là il est que 18h, donc c'est cool, je vais pouvoir profiter un petit peu de l'après-midi, enfin en tout cas de ce qui reste de cet après-midi. Et puis voilà, je sais pas si on vous l'a dit, mais tout à l'heure on est sorti avec Mister et Anna et Olia, on est parti vérifier la boîte aux lettres et aussi on a fait un tour dans le bois à côté de chez nous. Je sais qu'il y en a plein qui vont... Je vais voir Anna, elle était très très mal, elle avait une position qui était pas tip top pour l'épaule, du coup je l'ai un petit peu bougé. Du coup je disais, il y en a plein qui vont crier au non-respect de la loi, non mais vous vous rendez compte. Voilà, je précise quand même que nous avons le droit de sortir, c'est-à-dire toutes les personnes du même foyer ont le droit de sortir au même moment ensemble, à condition qu'ils soient seuls dans l'endroit où ils vont, qui ne vont pas rejoindre des voisins ou autres. Donc c'était notre cas, on est allé voir notre boîte aux lettres et aussi on est allé marcher dans une espèce de bois à côté de chez nous. Et en fait il n'y avait pas un chat. Donc on en a profité, on a marché un petit peu, elle a pris le soleil. Olia s'est dépensée parce que la pauvre elle n'en pouvait plus. Olia elle creuse un petit peu chez les voisins, enfin pour aller chez les voisins. Je sais pas pourquoi elle renifle en fait, elle creuse, c'est pas dans l'intention d'aller chez les voisins, j'ai l'impression. Va falloir surveiller parce que les voisins ils ont des enfants quand même. Il faudrait pas qu'elle arrive à y aller. Bref, donc je disais, on est allé promener un petit peu, un petit quart d'heure histoire de faire courir un peu Olia, de la faire dépenser et nous de prendre un peu le soleil. Anna aussi. C'est la première fois que je la mets dans une poussette face à la route, enfin face à la vie et pas face à moi. Où elle ne me voyait pas et tout le monde m'a dit, mais tu verras, elle va faire que hurler, elle aura trop l'habitude de te voir et puis d'un coup quand elle te verra plus et que ça avance et tout, ça va lui faire trop bizarre et tout. Alors là, ma fille était là, elle regardait devant elle, elle jouait un petit peu, elle regardait devant elle, elle regardait Olia, elle jouait un petit peu, enfin c'était trop trop cool, franchement c'était trop trop cool. Je pense qu'on refera ça demain parce qu'il faisait vraiment super beau, genre limite à bronzer. En fait non, c'était un temps à bronzer clairement, il faisait absolument pas froid, il faisait un temps parfait avec un soleil qui tapait très 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 fort. Donc je pense que demain, si je n'ai rien à faire, vous me direz on est en confinement donc forcément t'as rien à faire, ben je bronzerai peut-être. Voilà, la saison du bronzage est, je crois, officiellement ouverte. À part ça, ben écoutez,
J'allume la télé, je vais regarder Netflix et je vais chiller un petit peu. Et après, il faudra que j'aille ranger ma caisse à outils. Enfin, mon maquillage, quoi. Je suis vraiment fière de mon eyeliner. Je crois que je vais pas me démaquiller, comme ça je l'aurai jusqu'à demain. Ceci est une blague, bien sûr. Of course. Bon, mais écoutez, je vous reprends. Il est actuellement 18h18, donc 18 minutes après vous avoir laissé tout à l'heure. Je m'ennuie déjà. Du coup, je vais faire ma séance de sport. La préparation du petit bibi. Eh oui, parce qu'on va aller encore promener. On va aller promener Olia. Et du coup, on va profiter aussi pour se balader un peu dans le quartier, toujours, on ne sort pas du coin. Bon, aussitôt sorti, aussitôt rentré, on a fait un petit tour avec Olia, on a bien fait courir. Et aussitôt fait passer le robot, aussitôt relancé, parce qu'en fait, Mister, il a tondu l'herbe tout à l'heure. D'ailleurs, demain, on va avoir un jardin parfait, normalement. Et du coup, ben, Olia et nous-mêmes, on a rentré plein de brins d'herbe, enfin... plein de saleté quoi, du coup je refais repasser le robot en mode serpillière aussi. Et puis voilà, donc moi j'ai envie d'une petite pizza là. Ouais, je vais faire une petite pizza maison, enfin maison, c'est un bien grand mot puisque la pâte elle est industrielle. Je vais juste ajouter des aliments moi-même dans un mixeur, faire la sauce, fromage et au four. Voilà. Et voilà nos deux pizzas. Donc là c'est thon, tomate et ici chèvre miel. Et bon appétit bien sûr. Ah, on a bien mangé. Anna a fait son bain, elle est au dodo. Et moi j'allais me démaquiller et aller au lit. Enfin aller regarder Netflix mais en haut du coup. Et puis voilà, donc c'est ici que va s'achever cette journée. Elle était bien cool. On est sorti deux fois aujourd'hui. Même si c'est pour faire genre... à tout casser 30 pas. Mais bon, ça fait du bien quand même. Demain on va s'occuper de nettoyer le jardin. Enfin le jardin il a déjà été nettoyé par Mister, mais la terrasse. Donc on va sortir le karcher, on va faire une bataille d'eau et tout. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Salut. Ciao.